9 mai 1944. Après un hiver de rude bataille sur le front russe, les lignes allemandes sont repoussées par l'armée rouge qui attaque avec une force écrasante. Après la défaite de Stalingrad, la division du sergent Steiner est repliée dans la région d'Odessa. L'époque des offensives allemandes est terminée. Il n'y a plus qu'une direction, l'arrière. Enlevez donc ce type d'ici. Qu'est-ce qu'il a? Il est mort, espèce d'idiot. Mais c'est impossible, on vient de le poser à la minute. Tu as même parlé. Eh bien, maintenant, il ne parlera plus. Il est mort. Aide-moi. Hé, sergent, est-ce que ce putain de train va bientôt partir? Alors, espèce de petit con, où étais-tu passé? Je te croyais mort depuis longtemps. Mort, moi? Non, penses-tu? Tu devrais me connaître mieux que ça. Je t'ai pourtant dit 100 fois que je voulais atteindre 95 ans. J'en ai encore 71 devant moi. Tant mieux. La guerre sera peut-être terminée à ce moment-là. Et il y a d'autres copains ici? Kruger, Bethke, Dorfman, Chabal, ils sont tous ici. Nous devons défendre la position contre toute l'armée russe à nous cinq. Steiner! Attends ici. Essaye de trouver un fusil. Qui est cet homme, sergent? Soldat Ansel, mon capitaine. C'est bien ce que je pensais. Je n'oublie jamais un visage, sergent. Vous n'aviez pas signalé sa disparition? Et au bout de 4 jours, le voilà ici. C'est remarquable, sergent. Remarquable, en effet. Le train va partir dans 15 minutes. Rassemblez vos hommes ici. À vos ordres. Russell ! C'est un secteur tranquille, hein ? Peut-être que les Russes ont décidé de repartir chez eux. Pas d'illusion. Ils tomberont dessus avant qu'on ait gagné le gros lot. Pourquoi tu n'as pas continué? Tu serais déjà arrivé chez toi maintenant. Ouais, mais je voulais récupérer l'argent que tu me dois. Ha! Alors là, tu peux compter dessus. Il faut retourner à la gare, nous partons bientôt. Yeah! Chabal, y a quelque chose? Oui, viens voir.
Incroyable. C'est la première vache que je vois depuis 2 ans. Non, reste pas ici. Viens, on s'en va. Est-ce qu'il est... C'est un fermier. Ça lui manque, ce genre de choses. Qu'est-ce qui te manque à toi? Ah, j'ai oublié. Ces hommes de monter dans le train. Je croyais que c'était vos ordres, mon capitaine. Je vous ai dit de les rassembler ici et rien d'autre. Descendez de là. Je viens de prendre contact avec la division. Nous avons ordre d'empêcher l'ennemi d'utiliser cette gare. Oui, les explosifs ont déjà été installés, mon capitaine. Mais on peut remplacer les rails, sergent. Je veux que ce tunnel soit détruit. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'utilisation éventuelle de la gare? Sergent, ce n'est pas votre affaire de vouloir interpréter les ordres. Exécution! Faites avancer ce train immédiatement! Est-ce qu'ils s'imaginent que les Russes vont venir en train? Aussitôt fini le bombardement, ils arriveront avec des tanks. Et ils pensent peut-être que c'est le moyen pour lui d'obtenir la croix de fer. Alors! Il faut trouver un camion. Et viens, Dorfman. Caporal, qu'est-ce que vous faites, idiot? Le caporal Kruger veut empêcher l'ennemi d'utiliser les toilettes de cette gare. On prend celui-là. Prenez tout le matériel et allons-y. Il ne bombarde plus. Parfait, Betke, parfait. Tu n'es vraiment pas dur de la feuille. Thank you.
Mais où sont-ils? Le tunnel est détruit. Les chars sont arrivés trop tôt. Il vaut mieux que nous partions. Ils avancent par ici. Un moment, sergent. Vous aviez des ordres précis, je crois. Alors, de deux choses l'une, ou bien vous ne les avez pas compris, ou vous avez refusé de suivre mes instructions. Alors maintenant, écoutez-moi. Vos ordres précis ont déjà tué trois de mes hommes. Alors, vous ferez ce que vous voudrez, mais ne me donnez plus d'ordres de ce genre. Jamais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai cru que tu ne reviendrais jamais. Voici, on peut lui donner les premiers secours. Il ne faut pas qu'on l'envoie à la base. Je veux qu'il reste ici. Je te remercie beaucoup. Mais à ton service, mon vieux. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant la retraite? La retraite? Quelle retraite? C'était un réajustement tactique de nos lignes. Le quartier général du Führer vient de l'annoncer. Nous consolidons nos positions, d'après eux. Ça va donc comprendre. Et tiens-toi bien, j'ai été élu à l'unanimité infirmier de remplacement. Tu veux les passer en revue?
Non, j'y tiens pas vraiment. Ah, c'est ta section, tout au moins 6 d'entre eux qui vont en faire partie. Qu'est-ce qui est devenu Stransky? Il est allé directement au quartier général. Tu ne le savais pas? Il vient d'être transféré. Nous avons un nouveau qui commande la compagnie, le capitaine Berger. Il est mieux, j'espère. Bon, il fait beaucoup de sourires. Charbon! Je suppose que le sergent Grishus les a sélectionnés. Oui, ils sont comme on les a façonnés à l'usine à soldats. Tu as le dessus du panier. Je prendrai le dernier rang. Car d'après ce que je sais de Grishus, qui aurait une mentalité plutôt mesquine, je suppose qu'il a pris la précaution de se garder les meilleurs hommes à l'arrière. Dernier rang, restez sur place. Les autres, vous pouvez aller pleurer où vous voudrez. Vous ne ferez pas partie de la meilleure section de l'armée allemande. En paix! Simple soldat Keppel. Un cadeau des jeunesses hitlériennes. Vraiment? J'étais chef d'escouade, sergent. Quand avez-vous été appelé? J'étais volontaire. Vous êtes idiot. Depuis combien de temps êtes-vous à l'armée? 4 ans, sergent. 4 ans? Où êtes-vous allé? 7 mois d'hôpital à Berlin, sergent. Blessé à Kiev. D'où venez-vous? De prison. Simple soldat Rote. Classé comme étant un asocial chronique. Le médecin-major a dit totalement asocial. Alors vous êtes tombé au bon endroit. Simple soldat Hauser. La Gestapo a payé le voyage de cet homme depuis Hambourg. Très gentil de leur part. Qu'est-ce que vous aviez fait? Rien du tout, sergent. C'est vrai. Ils ont fait une erreur absolument ridicule. Simple soldat Nissen, étudiant. Étudiant en quoi? En théologie, sergent. Excusez-moi, sergent. Le capitaine de la compagnie voudrait vous voir immédiatement. Très bien. Que ces hommes aillent se présenter au caporal Kruger. J'ai cru comprendre que vous étiez le plus ancien gradé de cette compagnie. En fait, vous l'avez plus ou moins dirigé. Et à vrai dire, j'avais espéré que vous pourriez me mettre au courant. Malheureusement, l'état-major au quartier général a la priorité. Il faut vous présenter au général Hoffmann immédiatement. Ne me demandez pas pourquoi, car je n'en sais rien. Schulz pourrait vous le dire. Schulz? Le peloton de service qui est à vos ordres, mon capitaine. Schulz! Est-ce que vous savez pourquoi le sergent Steiner est demandé au quartier général? Non, mon capitaine. D'accord. Disposez. Merci, sergent. Peut-être pourrons-nous parler une autre fois. À vos ordres. Qu'est-ce qui se passe? Prends ta brosse à dents, parce que tu es dans la merde. Pas la peine que je te dors la pilule. Schulz? À vos ordres. Donnez-moi le rapport sur la section du sergent Grishus, s'il vous plaît. Oui, mon capitaine. La première armée, je la porte au général? Non, à moins que vous ne teniez à vous faire engueuler. Si je dois m'occuper moi-même de toutes les vendettas personnelles de tous les hommes qui sont sous mes ordres, il ne me restera presque plus de temps pour m'occuper d'autre chose. Alors, sergent, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je suis désolé de vous faire perdre votre temps, général. Vous avez l'esprit de contradiction, Stein. Vous l'avez toujours eu. Je me souviens qu'à 2 reprises, vous avez été proposé pour passer officier, dont 1 fois par moi-même. Et je vous avouerai que votre refus a été un très grand désappointement pour moi. Je suis désolé, mais c'était une décision personnelle. Très bien. J'admets que vous puissiez avoir des raisons qui ne regardent que vous. Et ce qui n'est pas admissible, c'est qu'à 2 reprises, vous auriez dû passer en cour martiale. Et 2 fois pour avoir manqué de respect à un de vos officiers supérieurs. Ça, c'était l'accusation. Mais pas forcément la vérité. C'est ce que vous insinuez.
Qu'est-ce que je vais faire de cette chose-là? Il m'est impossible de l'ignorer. Tiens ça! On me donne beaucoup trop de paperasserie. Je ne peux pas regarder toutes ces broutilles avant demain. Non, mon général. Alors enlevez-les, moi. Enlevez-les. Mais je rapporte tout demain, mon général. Bien sûr, rapportez-moi ça demain. Vous ne voulez quand même pas que toute l'armée soit arrêtée à cause de cette histoire? Bien, mon général. Ah oui, envoyez un message au capitaine du sergent Steyr pour le prévenir que le sergent a une permission de 14 jours. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui? À vos ordres. Alors, Steiner. Maintenant, disparaissez de ma vue. Et voilà, monsieur Dorfman, vous voyez là une authentique pièce de musée, fabriquée à Hambourg. Vous faites là une affaire en or. Pour 8 cigarettes seulement, c'est pour rien, monsieur. Comparé à l'équipement moderne, ce vieux matériel était fait pour durer au moins aussi longtemps que les 1000 ans du Reich. Et peut-être même plus. Et maintenant, messieurs, venons-en au principal, une superbe paire de bottes. Elles ont eu un seul propriétaire. Elles proviennent de la collection privée du soldat Paul Anselme. Un homme de qualité. Ces bottes étaient pour Paul Anselme une fierté et une joie. Elles ne vous lâcheront pas comme ces horribles saloperies dont vous avez été équipés. Elles sont allées jusqu'aux portes de Moscou. Et même elles en sont revenues. Je peux vous assurer qu'elles sont faites pour marcher dans toutes les directions et surtout en marche arrière. Ce qui sera particulièrement utile au cours des sombres journées qui nous attendent sous peu. Ça suffit, arrête tes conneries. Si tu es d'accord, je te donne 10 cigarettes. Hein? Sans à toi. Mais dégagez là, c'est fini. Et voilà, sergent. Je me demande comment tu t'es débrouillé. Quatorze jours de permission, ben mon salaud, comment t'as obtenu ça, toi? Que tu veux aller? Oh, j'en sais rien, j'ai pas encore pensé. Pourquoi pas à Paris? Paris? Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet. Alors, à dans 2 semaines. Ouais. Qu'est-ce que vous faites à Paris, sergent? Vous deviez espérer ne jamais me revoir. Je vous ai demandé ce que vous faisiez ici. En permission. Faites-moi voir vos papiers. Avec plaisir. Compliment, mon commandant. Quoi? Pas de croix de fer, mais je vois que vous êtes monté en grade. Oui, merci. Je ne comprends pas. Quelque chose vous tracasse, mon commandant? Non, rien, rien du tout. Votre laissez-passer est parfaitement en règle. J'ai juste été surpris de vous voir ici. Voilà, Stransky. Excusez-moi, sergent. Je vous cherche partout depuis ce matin. Le colonel Kronberg veut vous voir.
Il est inquiet et nerveux à cause de l'inspection d'un envoyé de l'état-major. Donc j'arrive tout de suite. Je ne serai pas là. Faites un séjour agréable, sergent, et profitez-en. Merci. Il y a longtemps que vous êtes à Paris? Pas assez longtemps pour voir tout ce qu'il y a à découvrir à Paris. Il y a un problème? Mon compagnon a oublié de payer les consommations. J'ai peur que ce ne soit une habitude chez lui. Ce n'est pas une façon très économique de s'enivrer. Vous voulez vous enivrer? Non, sûrement pas à ce prix-là. Ce bar est très cher. Mettez ça sur le compte du commandant, il vient tous les jours, vous le connaissez. D'accord. Et alors? Je l'ai rassuré, il ne perdra rien, le commandant viendra le payer. Il passe ici tous les jours. Ah. J'ai quelques boissons dans mon appartement. Si vous voulez vous enivrer, ce sera plus drôle de le faire chez moi. C'est de ce côté-là. Bonjour, madame. Vous avez peut-être cru que j'étais une boule de luxe, non? Pardon? Oui, enfin, que j'allais vous amener dans une maison pleine de fourrures et de tapis blancs et précieux. Oh, non. Non, non, pas du tout. Je trouve que c'est très joli. Les bas sont chers et très rares maintenant. Je dois y faire attention. Vin ou cognac? Je ne sais pas. Le commandant Stransky est venu souvent ici? Quelquefois. Alors, vin ou cognac? Cognac. Vous connaissez bien Stransky, sans doute? Non, pas très bien. Seulement un peu. Nous luttons tous pour survivre. Les soldats ne sont pas les seuls à avoir besoin de se reposer de la guerre et des champs de bataille. Vous n'avez pas envie de boire? Non, je n'ai pas envie de boire. Un lit, c'est fait pour se détendre, et parfois aussi pour ne pas être seul. Mais parfois, ça signifie beaucoup plus. Et à un moment ou à un autre, il faut se lever et affronter un nouveau jour. Et affronter un dragon dans les escaliers. Tu as vu ma concierge? Elle ne va pas me parler pendant une semaine. C'est facile pour les vieux d'être patriotes, n'est-ce pas? Tu sais, ceux qui se prennent pour les meilleurs patriotes ne sont pas sur le front, ils restent chez eux, à faire de beaux discours. Mais cette concierge, la façon dont elle t'a regardé, elle ne te connaît même pas. Pour elle, c'est l'uniforme. Tout ce qu'elle voit, c'est l'intrus. L'ennemi qui revient de la tuerie. Elle n'est pas à blâmer. Si elle l'est, tu ne lui as rien fait de mal à cette femme. À elle, non. De nos jours, on fait du mal. Pas uniquement parce que ça fait partie de la guerre. Mais malheureusement parce que c'est le véritable but de la guerre. Oui, mais
Quand ces mauvais jours auront pris fin, qui nous pardonnera? Je crois que nous serons tous comme des réfugiés perdus dans notre passé. Nous aurons quelques bons souvenirs quand même. Merci. Le commandement des forces armées allemandes annonce. À l'aube du 6 juin, les forces alliées ont débarqué en Normandie et ont formé une tête de pont. La Wehrmacht se bat âprement pour défendre la côte. Tous les soldats en permission dans la région parisienne doivent se présenter immédiatement à la caserne la plus proche. Oui. J'ai bien peur que nous devions affronter un nouveau jour. Je ne resterai pas à Paris plus longtemps si j'étais toi. Nous allons laisser pas mal de dégâts derrière nous. Il n'y a aucune raison pour que tu payes. À l'aube du 6 juin, les forces alliées ont débarqué en Normandie et ont formé une tête de pont. La Wehrmacht se bat âprement pour défendre la côte. Tous les soldats en permission dans la région parisienne doivent se présenter immédiatement à la caserne la plus proche. Et arrangez-vous pour être là-bas dans les 24 heures, sinon vous aurez des embêtements. C'est compris? Oui, sergent. Division 71, hein? Un long parcours pour la rejoindre, hein, sergent? Vous seriez surpris de savoir combien d'hommes se débrouillent pour tirer au flanc en passant d'une unité à l'autre sans jamais retourner à la leur. En ce qui me concerne, je leur ferai subir le sort des déserteurs, ils seraient fusillés. Votre unité est en transit pour le moment sur la côte. Elle doit rejoindre Avranches. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de partir là-bas. Un camion y va bientôt. Ne craignez rien, votre unité sera là et vous aussi dans les 24 heures au plus tard. Merci. Rolf. Ah, Rolf. Your body. Alors, remets-toi. Comment c'était Barry, hein? Oh, bien, bien, qu'est-ce bien. Qu'est-ce que tu m'as rapporté? Tu m'as rapporté. Fais attention en tout cas là-dedans. Pourquoi ne pas le dire avant alors? Par ici. Où sont-ils tous? Un peu partout. On a pratiquement tout cet endroit pour nous seuls. Mon lieu, on a oublié que la moitié de cette division était morte et enterrée. Enfin, morte en tout cas. Ah, ils sont pas tellement pointilleux pour les enterrements. Tu as quelque chose qui irait avec? J'ai rien mangé depuis que j'ai quitté Paris. Non, pas tant que Klingman ne rapporte pas à bouffer. Il croit que ces bois sont remplis de gros lapins. Ça va avec le capitaine Berger? Si la guerre continue encore 2 ou 3 ans, il fera un bon officier. Il vaut mieux que j'aille le voir. Essaye d'en garder quelques gouttes pour moi. Je voudrais vous montrer quelque chose, sergent. Alors, sortez de là! Sortez de là!
Allez, dépêchons. Qu'est-ce qui se passe, sergent? Un de vos hommes qui était prêt à déserter, mon capitaine. Il a essayé de résister et il a eu la chance qu'on ne le l'abatte pas. Chaîne! Je vais régler ça. Emmenez-le à l'intérieur. Mais nous devons faire un rapport. Faites ce que bon vous semble, sergent. Mais surtout, disparaissez. Allez, tenez-vous prêt à partir. Alors, Kefol, cette fois, on dirait que tu vas avoir la chance de faire ton devoir pour la mère patrie. Alors, ça y est, cette fois, on va au front. Oui, tout le monde, paraît-il. Tout le monde, à part ces deux hommes de la compagnie C, là, qui s'embarqueront sur le bateau qui est là-bas. Eh, il y en a toujours qui se débrouillent pour éviter les emmerdements. Il y avait un gars avec nous, à Kef. Il voulait rentrer chez lui, à tout prix. Alors, il s'est tiré une balle dans le pied. Et ils l'ont envoyé chez lui? Oui, mais avec la gangrène. Et on a dû l'amputer, ça c'était avant qu'il passe son cours martial. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Oh, j'en sais rien, il doit être quelque part en train de sautiller. Là, dans le bateau! Vous avez vu quelqu'un monter à bord? Non. Je vous arrête. Avez-vous vu le sergent Steiner? Non, mon capitaine. Ça suffit? Non, pas encore. Pourquoi ça lui suffit? Parmi nous, colonel. Asseyez-vous. Votre prédécesseur, le colonel Peterson, était un homme bien. C'était vraiment un sacré bonhomme. C'est une perte très grande pour la division. Eh bien, je vais essayer d'être à sa hauteur. Oui, j'en suis persuadé. Est-ce que vous êtes au courant de la situation actuelle? Pas tellement. Bon, je vous montrerai ça. Alors, ici se trouve la 71e division. Elle est commandée par le général Hoffman. Les services secrets m'ont dit qu'on les a expédiés ici venant directement du front russe. Et je vous demande pardon, vous cherchez quelque chose, une cigarette peut-être? Ça y est? Bien, je vous disais donc qu'expédiés directement du front russe, ils doivent connaître leur affaire. Nous connaissons ce dont ils sont capables en défense anti-char? Non, nous ne connaissons rien et c'est ce que je veux que vous trouviez. Dans quelques jours, nous lançons une grande offensive. Je ne veux pas que mes chars se heurtent à des surprises désagréables. Il vaut mieux prévenir que guérir. Sans aucun doute. Oui. Il faudra m'excuser, je n'ai pas eu le temps d'examiner vos beaux prouesses militaires en détail, comme je l'aurais voulu. Je sors de West Point moi-même. Classe 19. Je me demandais s'il était possible que vous soyez... Non.
Non. Je vois. Mais vous devez avoir votre actif des états de service. Vous vous êtes distingué. Oui, en effet. En Afrique, passage de Kazeren. Ah oui, le passage de Kazeren. J'ai considéré ça comme une sorte de retrait stratégique, moi. Moi, j'ai considéré ça comme un désastre dégradant. Je ne dirais pas que j'apprécie votre opinion, mais enfin, il a dû quand même se passer quelque chose, puisque quelqu'un vous a proposé pour une décoration. Oui, il s'est passé quelque chose. Nous nous sommes cachés. Mais cette fois, nous sommes les plus forts, colonel. Nous les aurons, soyez tranquille. Les chiens sont lâchés. Maintenant, je vous suggère, colonel, de faire connaissance avec vos hommes. Beagleman! Mon général? Si vous arrivez à vous séparer un moment de votre machine à écrire, venez ici une minute, s'il vous plaît. Quel jour sommes-nous? Vendredi. Vendredi le combien? Le 18, mon général. Vendredi 18. Alors voulez-vous me dire ce que voient vos yeux de taupe? Quelle est la date là? Le 17, mon général. Et non le 18, n'est-ce pas? Ça me paraît très curieux, votre façon de lire. Excusez-moi, mon général. Maintenant, faites-moi le plaisir d'aller chercher le sergent Anderson afin qu'il conduise le colonel... Rogers. Le colonel Rogers dans une jeep à son quartier. À vos ordres. Merci. Merci. Excusez-moi, mon colonel, vous voulez des jumelles? Ah oui, merci. Excusez-moi encore, il faut votre signature pour ceci. Oui, d'accord. Le général est à cheval sur le règlement. Ça ne fait rien. Je souhaiterais seulement qu'il arrête de parler comme si c'était lui qui l'avait pendu. Mon colonel, le sergent Anderson est dans la jeep. Ah, merci. Anderson? Oui, mon colonel. Mais par là. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette unité? Oui, mon colonel. Alors vous avez probablement connu mon prédécesseur, le colonel Peterson. Oui, mon colonel. Je me demande comment il est. Il vaut mieux que tu ne le saches pas. Pourquoi? T'as entendu quelque chose sur lui? Oui, il est mesquin, borné, et il y a une chose qu'il déteste plus que les boches, c'est la curiosité. J'aimerais aller voir leur dispositif anti-char de plus près. Nous avons perdu le colonel Peterson de cette façon, mon colonel. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez des canons anti-char? Mon colonel. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, on dirait qu'ils font une sorte de parade, mon colonel. Et pas tant. J'adore les paranes. On dirait qu'ils tiennent une sorte de conférence sur l'art et la manière de gagner la guerre. Probablement du même genre que ce qu'on nous a rabâché. Bon, je crois que nous ne voyons pas tellement bien d'ici. On devrait peut-être se rapprocher un peu pour aller voir de plus près ce qui se passe. Mon colonel.
colonel. C'est là où on a perdu le colonel Peterson, mon colonel. Je savais pas, sergent. Vous êtes de loin le plus comique de cette unité. Merci, mon colonel. Droite gauche, section. Halte. Arme à l'épaule. Demi-tour. Gauche. Repos. Quand je vous dirai rompez, rompez, sauf Nissan, Dorfman et Rotter, qui iront reprendre leur poste d'observation. Le reste d'entre vous pourra aider Ozer à la cuisine. Et... Keppel, à ta place, je ne retournerai pas à Avranches. Tu verrais que la police ne serait pas tendre avec toi. Et la prochaine fois que tu raconteras des histoires, assure-toi que l'information est exacte. Soyez obligé de faire ça. Direction. Garde. Rampez. Bonjour, sergent. Avez-vous pour habitude de passer vos hommes en revue au milieu d'un tir de barrage? Non, mon commandant. Les Américains ont des observateurs méticuleux. Ils respectent strictement les horaires dans leurs actions. Depuis l'aube jusqu'à midi, ils bombardent cette partie de la ville. Une pause pour déjeuner, et après avoir déjeuné, ils reprennent jusqu'à la nuit le bombardement de l'autre partie de la ville. Vous n'avez rien à craindre, mon commandant. Merci. C'est très rassurant. Bien, alors montrez-moi tous les rapports. Le général Hoffman va passer ici faire sa tournée d'inspection. Il arrivera dans une demi-heure. Le bureau est là, mon commandant. Merci. Je pensais qu'on en était débarrassé. Commandant de bataillon, on l'a fait monter en grade. Qui est cette fille, bon Dieu? C'est la petite fille d'un homme âgé. Il est là-haut, dans sa chambre. Il est malade. Vous ne me direz quand même pas qu'il reste des civils dans cette ville? Aucune idée, commandant. Les quartiers de la compagnie sont de l'autre côté. C'est la première fois que je viens par ici. Alors, Steiner, combien de personnes? Un bon nombre. Des personnes âgées, pour la plupart. Ils se cachent dans les caves. C'est bien désagréable, sergent. Mon général, si vous voulez vous donner la peine d'entrer, j'ai mis à jour tous les rapports. Pas tout de suite, Stransky, merci. Pas tout de suite. Je crois que j'aimerais aller regarder de plus près cette vallée qui est là-bas. Cette zone est dangereuse, mon général. Je n'y suis pas allé moi-même. Ah, bien sûr que non, Stransky. Mais peut-être vous pourriez me prêter le sergent Steiner pour une demi-heure. Oui, bien sûr, mon général. Sergent Steiner. Entre-temps, vous pourrez faire lire les rapports à Kirstner. Il est très doué pour les détails, n'est-ce pas, Kirstner? Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre? Cette guerre? Il y a des améliorations depuis la précédente. Ne soyez pas impertinent. Il y a beaucoup de personnes qui croient que nous l'avons perdue depuis Stalingrad. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai que nous avons perdu la guerre à Stalingrad? Je dirais que nous l'avons perdue longtemps avant la bataille de Stalingrad. Ah, c'est vraiment votre avis?
Et malgré tout, vous avez continué à vous battre bravement, tout en sachant que cette guerre est perdue. C'est plutôt une question de survie. Je crois que vous faites un complexe de modestie, sergent. De toute façon, les faits sont probants. Cette guerre est fichue et tant que nous devons accepter ce lamentable pantin à Berlin, cette tuerie continuera. Je veux que vous traversiez les lignes ennemies, trouvez quelqu'un qui ait autorité et convaincre l'état-major que nous sommes prêts à négocier. Adolf Hitler ne sera pas d'accord. Adolf Hitler sera mort dans 2 jours. Et je reviendrai ici avec un groupe d'officiers supérieurs. Nous serons autorisés à accepter les termes alliés d'un cessez-le-feu. On a soldé la paire de bottes d'un jeune soldat il y a 15 jours. Il les porterait encore si vous, les généraux, vous étiez mis d'accord un peu plus tôt. À l'intérieur. Vous croyez qu'il connaît quelque chose au canon anti-char? Eh bien, il n'y a qu'un moyen pour le savoir. D'accord. Vous allez de ce côté, et moi de l'autre. Entendu. Couvrez-nous. Vas-y, prends leurs armes. Pour les canons anti-char, mon colonel, ou vous voulez que je le fasse? Il est blessé? Oui, aux jambes. Ah.
Deux hommes ont été tués. Yongan s'est blessé aux jambes. Ramène-le avec Nissan immédiatement. Je garderai les prisonniers. Tu veux qu'il perde tout son sang? On n'arriverait pas à le ramener avec ces dollars en plus. File. Vous prenez quelques risques à rester seul, croyez pas? Asseyez-vous. C'est un petit jeu dangereux. Je sais. Coupez cette radio, colonel. Alors, quelles sont vos intentions? La guerre est perdue. Elle a déjà coûté beaucoup trop de vies. Et un bon nombre de nos généraux commencent à l'admettre. Il y a plusieurs chefs du haut commandement prêts à en discuter les termes. Et j'ai été autorisé par le général Hoffman... Autorisé? Depuis quand les généraux envoient-ils les sergents discuter les termes d'une reddition? Peut-être parce que notre commandant en chef n'était que caporal, cela rend les choses plus faciles. Qu'est-ce que vous dites de ça, un chleux comédien? Non, non, colonel. Il n'est plus temps de rire d'Adolf Hitler, parce que, dans quelques heures, on devrait annoncer sa mort. Alors voyons, sergent, des experts m'ont déjà menti. Pourquoi vous croirais-je, vous? J'ai risqué ma vie pour venir ici. Je pourrais être à la place d'un de ceux qui viennent de se faire tuer. Et si vous ne m'écoutez pas, colonel? D'accord. Alors de quoi allez-vous parler? Trois officiers allemands viendront à Saint-Vallonne à 14 heures demain. Et le général Hoffman est un officier à qui on peut faire confiance. Est-ce qu'il y a d'autres officiers dans ce cas? Très peu à ma connaissance, colonel. En somme, vous nous demandez de recevoir trois généraux allemands à 14 heures demain. Avec la garantie d'un sauf-conduit. Eh bien, je crois que je vous obtiendrai ça. Ce sera possible au nom du général Webster. Et de la part de qui devrais-je transmettre ce message? Steiner, colonel. Sergent Rolf Steiner, 71e Panzerdivision. D'accord, sergent. Je transmettrai votre message en amenant Webster à entendre raison. Merci, colonel. Un conseil, reprenez vos armes en vous en allant d'ici. Je croyais que vous vous méfiez des officiers. Il faut savoir prendre des risques, parfois, colonel. Et sergent, emportez la radio avec vous. Prise de guerre. Vous entendrez peut-être le résultat d'un match de baseball ou l'annonce d'une mort subite à Berlin. J'ai hâte de voir la tête que va faire le vieux en apprenant ça. J'aime autant que ce soit vous qui le lui disiez. Un sergent? Oui, mon général, un sergent. Quelle foutaise! N'allez pas me faire croire que le haut commandement allemand a confié à un sergent qu'ils avaient l'intention d'assassiner Hitler. Il devait faire confiance à quelqu'un, mon général. Bah, j'ai jamais rien entendu d'aussi absurde. Et j'avoue que ça m'a plutôt surpris aussi. Oui, c'est en effet surprenant. Vous aviez à peine quitté la division depuis 10 minutes quand vous avez été fait prisonnier pour une surprise. C'en était une et de taille. J'ai peur, mon général, que vous ne vous trompiez. Non, je sais bien ce que je dis. Rassurez-vous sur ce point. Dans à peine quelques heures, nous lancerons notre plus grande offensive. Et vous croyez que les Boches ne le savent pas? Vous ne savez pas ce qu'ils vont faire? Ils vont se tirer! Excusez-moi, mais ils ont parlé d'un cessez-le-feu total. Sur tous les fronts. J'ai dû promettre à un de leurs officiers un sauf-conduit signé de votre nom. De quel nom dites-vous? Du vôtre, mon général. C'est vous qui commandez. Parce qu'ils franchiront vos lignes. Je ne vous crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne peux pas vous croire. Vous savez mieux que quiconque qu'on ne révèle jamais à l'ennemi comment s'appelle l'officier qui commande. Quand vous étiez en Afrique, où avez-vous été blessé à la tête? Ah, pour être franc, j'ai été touché au cul, et je dois admettre que c'est en essayant de foutre le camp. Enfin, bon Dieu, mon général. Puisqu'il projette de foutre en l'air Hitler et de négocier un cessez-le-feu, vous ne croyez pas qu'il serait bon de téléphoner à quelqu'un? Téléphoner à quelqu'un? Téléphoner à quelqu'un afin de pouvoir leur donner suffisamment de temps pour qu'ils puissent fortifier Saint-Vallonne. Et quand j'arriverai avec mes chars, qu'on finisse calciné comme une saloperie de barbecue, et ce serait moi qui donnerai un ordre pareil. La décision d'attendre ou bien d'attaquer ne dépend pas de vous, général. Vous avez peut-être raison, mais vous n'avez pas le choix. Il faut transmettre ce message. Il ne concerne pas que nous seuls. Je m'en fous à qui il est vraiment destiné. Si je transmets ce message et que ce message soit faux, qui va être dans une belle merde, moi? Je serai dans la merde. Oui, je sais, mon général, mais il faut quand même l'envoyer.
Très bien, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais transmettre ce message. Mais si mes supérieurs ajoutent foi à cette histoire, j'enverrai tous mes soldats apprendre à jouer de la harpe chez eux. Et vous, à l'avenir, évitez les sergents allemands, c'est préférable. J'essaierai, général, mais c'est pas facile dans le noir. Approchez. Je voudrais vous demander un petit service personnel. Quoi donc, général? Allez-vous en foutre le camp. À vos ordres. Le général Webster à l'appareil, je voudrais parler au général Collins, au quartier général, s'il vous plaît. Oui. Oui, j'attends. Bigelman! Général. Apportez-moi du café, s'il vous plaît. Du café? Café, oui, café, ça vient du Brésil! Vous savez où il est, putain de Brésil? Oui, mon général. Parfait, vous aurez 10 points pour la géographie et 4 points pour le café. Allez, maillez-vous. À vos ordres. Allô, mon général. Non, non, c'est pas vous, je vais juste demander du café, général. Ici, enfin, à l'appareil, c'est le général Webster. Alain. Général Collins, je sais que vous aurez certainement beaucoup de mal à me croire, mais j'ai un colonel, et ce colonel a parlé à un Allemand qui est sergent. Passez-le-moi, j'attends. Oui. Oui, je vous entends. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne sur la ligne? Ouais. Peut-être que c'était trop demandé. Oui. Et ça ne fait rien, nous avons essayé. C'est vraiment regrettable. Ouais. De toute façon, merci de m'avoir appelé. Merci. Non, non, je ne crois pas que nous le ferons. Excusez-moi, mon général, vous devriez peut-être aller vous reposer. Il est 2 heures passées. Est-ce que je peux vous être utile à quelque chose? Ah, non, non. Pouvez-vous obtenir Saint-Vallon? Non, les lignes sont coupées depuis ce matin, mon général. Alors on ne peut plus rien faire. Pourquoi ne pas aller vous reposer? La guerre sera sûrement là encore demain. Très bien. Bonsoir, mon général. Porte ce message au général Hoffman. Oui, sergent. Où sont-ils? Qu'est-ce qui est arrivé? Échappés. Alors, comment vont tes jambes? Merci. Ça va, sergent. Mais comment est-ce arrivé, sergent? Je t'ai dit qu'il s'était échappé. On peut avoir des pépins, ça arrive à tout le monde, Keppel. Mais c'est tuant. Vraiment tuant pour les nerfs.
Dois-je comprendre que cette fois-ci, vous dispensez des formalités de saluer ? Général Hoffmann, par ordre du Führer, vous êtes en état d'arrestation et en conséquence relevé de vos fonctions. Vous êtes accusé de conspiration, haute trahison et tentative de meurtre. Tenez, voici l'accusation. Vous êtes autorisé à en prendre connaissance si vous le souhaitez. Non, merci. Si ce précieux document a été écrit par l'un de vous, il est si mal écrit. Je préfère m'en abstenir. Votre façon d'écrire est encore un crime à votre actif. Aujourd'hui, il est question des crimes commis par vous. Cela veut dire la cour martiale. Cette formalité a été réglée par les dispositions qui ont été prises. Déjà plusieurs de vos amis ayant conspiré avec vous ont été exécutés hier soir. Vous serez vous aussi exécutés. Vos biens seront confisqués, votre famille envoyée en camp de concentration et votre nom rayé de tous les rapports. Toutefois, il y a une autre solution. Si vous préférez avaler ceci, c'est très dangereux pour le cœur. Vous recevrez les honneurs militaires, votre veuve touchera une pension et l'incident sera clos. Vous avez 2 minutes. Que vous voulez? Un message pour le général Hoffmann. Pas tout de suite. Ça part pour une merde. Mais où est la différence? Idiot. Avec une crise cardiaque, tout se serait passé sans histoire. Maintenant, je n'en sais rien. Berlin! Oui, Berlin, vous ne voulez pas que je l'appelle, je suppose. Où cet homme est-il parti? Celui qui a porté un message. Où est-il passé? Je ne sais pas. Allô? Allô? Bienvenue dans l'allée du suicide. Personne en vue? Non, pourquoi? Tu attends de la visite? Attends. Hauser? Ici Steiner. Aucune nouvelle de Rotte? Non, non, tant pis. J'aurais pas dû le laisser prendre la motocyclette. Il est probablement bloqué dans un bordel quelconque. Combien de chars vous croyez qu'ils ont de l'autre côté, sergent? Écoute, fiston, ils ont tellement de chars qu'ils savent plus quoi en faire. Sa vallonne n'est qu'un poste d'observation. Alors s'ils se décident à approcher, ils passeront si vite qu'ils seront presque arrivés à Paris, bien avant que tu prennes le temps de mourir. Oh, mais j'ai peur que des emmerdes se préparent à nous tomber dessus. Je crois que le bruit vient de l'autre côté de la ville. Ça va, Hauser, fais pas dans ton froc, qu'est-ce que t'as encore? Oui, c'est... Caporal Krueger à l'appareil. Oui, mon commandant. Tout de suite. Merde. On va avoir une vraie bataille sur le dos. Ce putain de bataillon arrive ici, avec ses canons anti-chars et tout le merdier. Stransky est en bas, il demande à te voir immédiatement et sans délai. Ne perdez pas cette route de vue. Si vous voyez Rotte arriver, je veux être le premier à le savoir. Ni Stransky, ni Hauser. Personne d'autre que moi. C'est compris? Oui, sergent. Allons,
Où est votre poste d'observation? Droit devant vous. Caporal, enlevez ce camion du chemin. Je veux que cet endroit soit dégagé. Ah. Sergent Steiner, je suppose que vous serez heureux d'apprendre qu'à partir de maintenant, nous pourrons recevoir des ordres cohérents. Vous n'avez pas entendu le communiqué de Goebbels à la radio? Non. Un groupe d'officiers avait comploté de tuer le Führer hier. Votre ami, le général Hoffmann, en faisait partie. Il s'est suicidé ce matin. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous recevrons des ordres directement du Führer. Il sait comment diriger une guerre. Steiner, maintenant, plus question de battre en retraite. Nous allons nous battre. Et nous allons nous battre ici. Foutez le camp de cette place! Et je veux voir tous les chefs de section au rapport dans une demi-heure. Tous les convois se dirigent par ici. Les avions ennemis les talonnent vachement. De toute façon, je n'ai pas pu lui remettre. C'est dommage. Tu ferais bien de manger un morceau. Nous n'avons plus tellement de temps. Ouais. Colonel, inutile de chercher des généraux allemands maintenant. La radio vient d'annoncer qu'Hitler a foutu en l'air presque tous les gros bonnets de Berlin. Avec un peu de chance, peut-être qu'ils ont épargné le général Hoffmann. S'il est vraiment sincère, nous pourrons peut-être sauver tout ce front. Faudrait pas trop perdre de temps. Nous venons de recevoir l'ordre de nous mettre en position. Quelque chose se trafique en face? Il y avait beaucoup de fumée il y a un moment. Allez donc savoir s'ils partent ou s'ils arrivent. Allez, venez, il vaut mieux filer. Oui. Steiner est toujours là. Je crois qu'il se dira que ça n'était pas dans le contrat. Il faut fêter ce bonjour. Apporte-moi la meilleure bouteille de champagne de la cave. Champagne? Très con, la défaite de l'ennemi. Faites et déchargez le camion qui est dehors. Ne vous inquiétez pas de ce qui dégringole, c'est jamais qu'une averse. Le déluge viendra plus tard. Ah.
Arrête de faire le con, Keppel. Imagine de ce qu'on deviendrait si le Führer s'amusait à jouer à ce petit jeu-là tous les soirs. Excuse-moi, je n'ai pas réfléchi. T'excuses pas. Si tu crois que le Führer comprendrait, pourquoi on est à plaindre? À l'abri. Où sont les autres? Dans la cave. Comment, y a-t-on abandonné là? Oui, c'est ça. Savoir où est le caporal Keller. Il n'est pas derrière vous, mon commandant. Mais je l'ai envoyé prendre la dernière caisse. Où se cache-t-il maintenant? Il est mort. Sergent, je veux vous montrer quelque chose. Regardez ça. Ce souterrain va directement sur la place. Il y en a plusieurs autres. Ils passent également sous la place. Ils sont pleins de dynamite et tous autres en même temps. Très ingénieux. Cela mériterait la croix de fer, mon commandant. Trois escadrons de blindés, sergent, peut-être même plus. N'arrêteront pas leur marche, nous allons tous les anéantir. Et vous croyez pouvoir exterminer tous les Américains en même temps sur cette petite place? Oh, mais je ne crois pas, sergent, j'en suis absolument certain. Le général Webster est au quartier général.
Oui, général, mais non, non, je ne pense pas en effet prendre une pareille décision. Je crois que j'irai vers l'objectif. Oui, l'objectif, Abel et Baker, bien sûr, à l'heure X, plus 3. Oui, général. Oui, général. Oui, général. Merci, général. J'espère aussi. Merci. Excusez-moi une minute, messieurs, j'ai à parler au colonel Rogers. C'est à propos de notre message à Berlin, il y a du changement, je crains. Hitler a ouvert la chasse à certains généraux allemands et on trouve leurs cadavres un peu partout. Mais le général Hoffmann est peut-être toujours en vie. Dans ce cas, il maintiendra la reddition de cette région. Pour votre gouverne, sachez une chose. S'il vit encore, il prie pour que la Gestapo ne vienne pas frapper à sa porte. Et s'il est mort, là-bas en face, c'est une forteresse. Si nous l'attaquons et nous le ferons, nous n'aurons pas assez d'un an pour enterrer tous nos morts. Vous pensez que le haut commandement a refusé? Notre haut commandement ne répondra jamais. Bien, messieurs, je veux que vous écoutiez ce que je vais vous dire. Attentivement. C'est la première fois que nous allons engager une action importante en Normandie. Cela signifie que tous les militaires et peut-être le monde entier vont avoir les yeux braqués sur ce que nous accomplirons. Alors je veux que vos actions deviennent historiques et non bordéliques. Est-ce clair? Très bien, maintenant voici les ordres, écoutez avec attention. Nous allons passer à l'attaque à 14h, dès que le tir de barrage sera fini. Une fois en place, vous serez maître des opérations, mais toutefois gardez à l'esprit que vous n'avez qu'un seul objectif, Sainte-Marie. Ne vous occupez pas de Valonne, laissez tomber, les hommes qui viendront après s'en chargeront. C'est compris? Oui, mon général. Aucune question? Non, mon général. Général. D'accord. Très bien. Alors j'aimerais profiter de cette occasion pour vous souhaiter à tous bonne chance. Vous en aurez besoin. Mon général, oui. Que le haut commandement refuse notre proposition, je le comprendrai, mais pas de réponse du tout. Je ne sais pas quoi vous dire, Rogers. Mais croyez-moi, c'est autant une surprise pour moi que ça l'est pour vous. Il est possible que cette histoire d'Hitler et de ses généraux leur ait fait décider de ne pas donner suite. Allez donc savoir. Mais il y a un vieux dicton qui dit « Qui vivra, verra, mais qui vivra, vivra, vivra ou mourra ?» Oui, général. Ça sera tout. Rogers. Général. Une chose encore que je tiens à vous dire. Quoi donc, général? Bonne chance. Merci, général. Il n'y a pas de quoi. Vous ne pourriez pas arrêter ce putain de truc, Anderson. C'est Degan, mon colonel. Il est venu en remplacement la semaine dernière. Il apprendra. Il tire plus. Allez, tout le monde à son poste. Caporal Langner. Langner. Tu vas bien? Oui, sergent. Keppel, tu prendras sa place au commandement. Tu crois pouvoir t'en tirer? Ah oui, sergent. Hauser? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Le capitaine Berger et Klingman nous ont relevé ordre de Stransky. Bon, ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es bizarre. Rien du tout. J'avais seulement l'espoir de voir tout ça... se terminer. Oui.
Nous n'avons encore jamais capitulé. C'est juste. Alors, pourquoi le ferions-nous, hein? Bien parlé, Caporal Kruger, bien parlé. Continue à dire de belles paroles. Mais quand les chars arriveront, fais-moi plaisir. Gardons ta stupide tête de serin à ras du sol. On le fait toujours. Une demi-heure, mon colonel. Qu'est-ce que vous en pensez, sergent? À propos de quoi? Supposons que le général Hoffman soit là-bas avec ses officiers à attendre de jeter l'éponge. Nous, pendant ce temps, nous nous ferions des cheveux pour rien. Supposons aussi que notre état-major attende au quartier général de savoir s'il reste assez de fridolins pour négocier le cessez-le-feu. Un moyen pour le savoir. Qu'est-ce que vous en dites, sergent? Oui, je crois que vous avez raison. Sergent Anderson. Mon colonel. Vous pourriez me prêter votre jeep pour quelques minutes? Je suis désolé, mon colonel, je n'ai encore jamais prêté ma jeep. Venez. Mon Dieu, mais où va le colonel? Oh, il va juste jeter un coup d'œil par là-bas, il reviendra bientôt. Les chars arriveront sur cette place par cette route. Il n'y a pas d'autre chemin pour y accéder. Ils trouveront une ville qui sera apparemment sans aucune défense. Alors, au moment où un nombre suffisant de chars sera sur la place, cet endroit sera rasé. Autre chose. Tout survivant sera abattu. Je veux que mes ordres soient suivis à la lettre et sans discussion. Je ne veux pas entendre un seul coup de feu avant qu'ait eu lieu l'explosion. Est-ce bien compris? Oui, mon commandant. Très bien, rompez. Sergent Steiner? Qu'est-ce que vous en pensez? La ville paraît sans défense, hein? En effet, elle paraît déserte. Vous avez raison. Elle paraît déserte. Sergent Baker! Mon commandant! Venez avec moi, j'ai à vous parler. À vos ordres. Oui. Quoi? Une jeep américaine? Oui, commandant, des Américains dans une jeep. À 1200 mètres environ. Ils ont un drapeau blanc. Laissez-les approcher. Ne tirez pas avant qu'ils soient près de vous. Mais vous oubliez le drapeau blanc. Je n'en ai rien à foutre de leur drapeau. Ils ne doivent pas s'en tirer, compris? Entendu. Thank you.
lignée de Schleu, ces putains de fils de pute, ils ont bousillé ma radio. Je vous l'avais dit, sergent, les boches, c'est à vous, il faut tirer. Sergent, vite! Faites sortir tout le monde sur la place! Dépêchez-vous de sortir, allez, allez, vite, vite! Que se passe-t-il? Sortez de là, dépêchez-vous! Pourquoi est-ce qu'il faut sortir? Vérifiez qu'il ne reste personne! Il y a au moins 3 escadrons. Bien. Ils trouveront des patriotes français pour leur souhaiter la bienvenue. Ces gens font là. Je ne sais pas, sergent. Demandez au commandant. J'y vais. Ramenez-le dans sa chambre. J'en regrette, sergent, mais le commandant... Faites ce que je vous dis. Tout est prêt? Oui. Bien. Mon commandant, vous ne pouvez pas faire ça, Stransky. Et pourquoi pas, sergent? C'est vous qui m'avez dit que cette ville avait l'air déserte. Vous aviez parfaitement raison, c'était triste. Vous n'êtes qu'un faux meurtrier, un ignoble salaud. Ça suffit, Steiner, ne m'approchez pas. Vous avez déjà levé la main sur moi une fois. Vous ne le ferez pas une deuxième fois. Tour avec la Jeep à cet endroit précis. Thank you.
Dites-moi, sergent, qu'est-ce qui s'est passé pour vos trois généraux? C'est de l'histoire ancienne. Pour nous? Gravel, c'est votre petit ami, colonel? Non, mais je pense que le sergent Anderson s'y intéresse. Et, sergent, où sont vos dispositifs anti-char? Un peu partout. De toute manière, ça ne changera plus rien. Je le sais. Laissez-moi le temps de faire descendre la population dans les caves. Fais ! Allez, c'est par ici!
Dommage d'avoir échoué, sergent.